Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue. C'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui hein, pour me porter pour vous, émission pour l'an, mon éditorial avec Yannick. Pendant ce moment-là, moi j'ai déjà annoncé que go émission tête chargée, m'ta porter pour vous sur ça qui est pour avec différents gros crises Haïti passé déjà dans l'histoire pays. Parce que ça n'a vive aujourd'hui en là, son petit virgule par rapport avec ça nous vivons déjà dans l'histoire pays non. Et m'a dit honnêtement, c'est pas civilisé français, canadien, américain, plus civilisé que haïtien. Non, pas du tout. C'est seulement condition nous qui pas même. Condition différentes et condition nous très différentes. Tout pays où a fonctionné, c'est parce que gagne leader, un leader qui a pensé pour peuple, un leader qui a pris une bonne décision dans l'intérêt peuple. Et ça, n'a vu aujourd'hui là. Il n'est pas différent de ça nous qu'on vive déjà dans le temps. Et tout ça, il y a un seul nom, il y a une crise systémique. Crise systémique, là, son ensemble de crises, son ensemble de problèmes, de faits, qui touchent à la fois, li touchent secteur politique, là, li touchent secteur économique, là, li touchent vie sociale, là, et nous fait face avec un ensemble de violences. Donc, je dis là, ça, je dis en la condition haïtienne en vivant dedans pays, à nous chaque jour, moun nan la rue, a foulé béton, problème grand goût, problème insécurité, problème chômage, problème social, inégalité sociale, tout ça, c'est caractéristique crise systémique, yo. Imaginez bien. Haïti, depuis après indépendance, depuis après, au fin proclamé indépendance, 1er janvier 1804, nous sommes très jeunes nations. Première gros crise, nous allons faire face à elle, c'est 39 l'année après l'indépendance. Non, en 1843, crise en temps mais en dedans pays. Hein, pour qui ça? Problème grand goût, problème gouvernance, problème et chômage, inégalité sociale, mulatio qui commence à imposer en dedans pays. Hein, problème commerciaux, mulatio prend monopole commerçant, des séries de monde qui vini et classe ouvrière qui te gagne en 1843, li te commence à faire face avec yon ensemble de violations que propre président pays imposé. Crise 1843, li commence bien avant sous Boyer, Jean-Pierre Boyer en 1818. Pas oublier Boyer, li président d'Haïti à partir de 1818 et li pral fini en 1843, il fait 25 ans président. Kounye a, dans toute situation ça, gon question pour poser tête. Comment ça se fait toute crise pays a fait face, li toujours commencer avec problème grand goût, li toujours commencer avec problème la richesse, li toujours commencer avec problème inégalité sociale. Qui ça toujours permet à ce que chaque dirigeant monte, chaque président monte, li toujours envie favoriser mulatio que li kembe ça gagne comme obligation, que li kembe ça gagne comme responsabilité vis-à-vis tout pays, vis-à-vis tout peuple en général. Kounye a, Boyer qui était président à partir de 1818, le nous rive en 1843, pendant 25 ans règne Boyer, yo commencé à faire un bilan pour yo ouais. Est-ce que Boyer l'était bien géré pays? Est-ce que tu as une bonne gouvernance? Est-ce que Boyer décision économique qui te prend yo, l'était permet à ce que classe ouvrière la classe paysan yo progresser? Est-ce que sous Boyer tu as une progression ou bien est-ce que tu as gagné plus régression? Est-ce que c'est bas paysan t'a fait au lieu nous faire avant? Et pour nous, hein, le bral font coup d'œil, yo bral garder comment Boyer t'a géré pays. Hein, effectivement, yo bral ouais, dans ça qui est pour avec bilan Boyer pas vraiment réalisé en rien sérieux dans ce qui est pour avec l'économie pays. Au contraire, sous Boyer, nous t'es fait exportation, nous t'es exporté un paquet de produits, café, cacao, etc. Nous t'es exporté avec bon prix. Sous Boyer, nous commençons à faire bac. Produits nous qu'on a exporté au Kounia, prix produit ça revient tellement chuté, prix produit a baissé, nous pas qu'à faire rien. Et c'est à partir de gouvernement Boyer, pays a commencé à faire face avec importation produits premières nécessités. C'est sous Boyer nous commencé à importer petit du riz, petit spaghetti, petit baille pour nous manger parce que production nationale a commencé à prendre coup, production nationale a commencé à prendre frappe. Donc nous commençons à acheter bagaille dans mes blancs, nous commençons à acheter bagaille dans mes
non mais la France, nous commençons à acheter bagaille, non mais Allemagne, nous commençons à acheter produits, non mais Angleterre. Donc, nous commençons à prendre coup, production nationale commençons à prendre coup, et Boye lui-même, lui vient avec un ensemble de mesures, quand elle a imposé classe paysan pour ne pas rentrer la ville. Dans le code rural, Boye vient avec un ensemble de dispositions. Disposition ça, c'est comme si là où commence, ouais, même président paysan, il commence à ouvrir route pour gagner inégalité. Il commence à ouvrir route pour gagner, pour yo commencer à minimiser paysan. Et au profit de qui est Boye était prend toute disposition ça, qui est disposition ça, t'es arrangé, c'est mulatio. Boye interdit pour paysan yo vin la ville. Tout paysan est en dehors. Villan, c'est pour mulat. Villan, c'est pour commerçant, yo. Mais tout paysan que yé, retan de yo. Boye commence à imposer un ensemble de taxes avec paysan, yo. Voilà que moun yo pas qu'à rentrer la ville, vin vann produit, yo. Et wap impose yo taxes pour yo payer. Kounya, le paysan, yo, wè, yo pas qu'à payer. Au lieu yo fait avant, c'est bak ya fait. Kounya, yo commence à mobiliser, yo. Yo commencé à mobiliser yo, manifestation commencé à faire, revendication commencé à faire, moun commencé à prendre la rue, yo dit fok yo chavire système nan, fok yo fin avec système nan. Posez tête toute question. En 1843, de qui système yo t'a parlé? Qui système qui t'a gagné? Qui système qui t'a campé en 1843? Eh bien, c'est même système ça aujourd'hui, n'a fait face avec l'un de pays qui gagne mulat la donne, qui gagne des commerçants étrangers la donne, qui accapare au monopole marché. Eh bien, qui ça qui vient fait? Le paysan a commencé à prendre disposition, à faire gros manifestations, à faire gros mobilisation pour dire Boye, faut que Boye assume responsabilité, faut que Boye prenne des décisions qui favorables avec collectivité, avec tout le monde. Eh bien, à partir de là, nous commençons à faire face avec un Boye qui vient de plus en plus agressif. Et nous, Boye te fait toute saleté qu'on est à travers l'histoire pour le kembe pays. Et je dis, si vous bagay ou doit retenu, si vous bagay ou doit toujours songer, et vous prenez Boye comme exemple, c'est que nèg ici, politicien ici, tellement attaché avec le pouvoir, yo pare pour yo faire n'importe quoi pour yo prendre pouvoir, et yo pare pour yo faire n'importe quoi tout pour yo kembe pouvoir, pour yo pas quitter pouvoir, pour yo toujours ab diriger. Comme Boye commence à prendre coup, comme bilan Boye a eu Boye pas réglé, on merde du pays, pas de résultat, économie pays écrasé, au lieu de nous faire avancer, on a fait sous plan social, c'est division raciale qui te gagné, division qui base sous couleur, pour comme paysan, c'est nègre noué doit être dehors, comme ville, c'est pour mulat, c'est commerçant, gros commerçant, ça, c'est eux-mêmes qui ont fait, qui ont défait dans le pays, donc la ville, capital paysan, c'est pour monsieur Damzayo. Eh bien, non, mais tout kachouboumbe ça yo te gagné. Non, mais tout insurrection, non, mais tout crise ça yo, pile manifestation, paquet revendication populaire qu'a fait. Eh bien, kounye ya, mouvement yo commencé à intensifier, bagay la commencé à chauffer. Et Boye pa vin gen, Boye vin pa gen l'autre option, puisque manifestation déguide dans le peuple là derrière, yo mette Port-au-Prince à feu et à sang, du feu dans Port-au-Prince, plusieurs fois, gros manifestation faite, scène de pillage faite, mais Boye toujours attaché avec pouvoir, c'est même Jean-Yves Ariel Henry là. Non, c'est Ariel 2 semaines tête chargée là. Ariel Henry pas briding sous pouvoir, il still rete sous pouvoir parce que le style confortable. Il gagne classe, Boye te gagne secteur commercial avec lui, il gagne gros commerçants étrangers avec lui. Donc Boye se style confortable. En pile déficit fait. Et d'ailleurs, dans tout mouvement protestation, tout mouvement de revendication populaire, toujours un déficit. Parce que moun yo nan la, c'est revendication, c'est frustration y a dégagé, c'est crasé, c'est boulé, c'est pillé qui gagne. C'est ça yo fait et c'est ça yo fait plus bien. Kounye, Boye vin commencer paniquer. Comme Boye vin commencer paniquer, là vin gagne yon groupe moun ki rejoint mouvement populaire là dans la rue. Vin gagne des propositions qui commencent à faire. Ou vin gagne des groupes parlementaires qui a fait proposition. Ou vin gagne yon groupe nan commerçant moun noir yon même qui te gagne influence tout.
non ça qui gagne pour avec économie de dans pays qui commence à faire des propositions ou vinn gagner des membres dans société civile qui commence à faire des propositions bagarre là commencer enragé des voyez pas gagne ou pas bois obligé bon décision qui prend le groupe parlementaire moun qui dans secteur commerce là moun qui dans société civile là décide rejoindre mouvement peuple là m'a parlo là nous nan 1843 avant boye aller oui parce que mouvement là première gros crise ou prend 1843 1848 li vini en prélude avec mauvaise gestion boye ta fait. Et pour les amis qui pral dit pour qui ça toute histoire ça et pour qui ça tout parler en pile ça. Gondage qui dou, yon peuple qui oublie histoire, li condamné pour le revivre même erreur dans histoire. Et pas oublier nous dans commencement émission, nous prend quatre gros crises systémiques déjà pour plus petit dans histoire pays nous. Quatre gros crises. Et ça n'a vu aujourd'hui là comparé avec ça nous t'ai vivre dans le temps, ça li pas rien là, ça pas rien. Donc le mouvement décisif là pral fait qui pral bay 45 jours lot gros 45 jours lot boye poko jan viv bagay comme ça dans histoire un jeune pays 39 ans après nous fin prendre indépendance nous gen ta faire face avec toute crise ça yo kounya ki ça pral vin fait gagner dans sud pays hein gagner yon société qui créé c'est société des droits de l'homme société pour yo faire promotion droit moun etc. À partir de là Yo commencé retranscrit toute violation droit moun, toute mauvaise gestion boye ta fait, toute faute, toute erreur boye ta fait, yo commencé prendre toute bagaille ça yo mettre en face li. Et à partir de ça, 45 jours lok lan, li pral vin tellement intensifier mouvement en bas, pas monter en haut, pas descendre, pas gagner qui fonctionnait, c'est du feu, c'est craser briser, moun nan la rue, c'est soulèvement populaire, boye pa gen l'autre choix que quitter pouvoir en 1843. Kounye a la population, le mouvement populaire là, rive chavire boye. C'est ça nous remet depuis longtemps et c'est ça n'a vu jodi en histoire pays nous. Nous pas vle ou président qui est élu démocratiquement rete sous pouvoir. En pile fois président yo pas ka bay résultat, c'est vrai. Yo pas ka bay résultat, mais moun ki toujours a mette peuple là dans la rue, moun ki toujours a permettre à ce que toujours gen crase brisé, toujours gen un paquet de dégâts kachouboumbe qui fait, c'est un paquet nèg qui toujours a bataille pour gen transition. Son paquet nèg qui toujours soif transition. Kounya ki sa fait. Comme c'est société des droits de l'homme qui te paraît décisif dans départ boye sous pouvoir et c'est Rivière Erreur qui te dans tête société des droits de l'homme non et puis kounya yo pral mettre Rivière Erreur comme président provisoire. Kounya le 1843 avril 1843 yo mette Rivière Erreur comme président de transition. Transition ça a te gagné 4 membres là-dedans. Kounya Assemblée nationale là yo décidé kounya et yo a mette Rivière Erreur président pour col. Kounya Rivière Erreur on fin monter sous pouvoir. Qui premier bagarre pense le fait? Rivière Erreur li vini c'est pouvoir li vini consolider. Rivière Erreur pas dans li vini li essayer consolider pouvoir. En façon pour ne pas perdre du pouvoir, même gens boye te allé, même gens yo te voye boye allé. Comme li sous pouvoir, là c'est lui même qui président. Kounya premier bagay Rivière Erreur fait. Rivière Erreur li assure que pouvoir ça li pas perdu. Nous sommes dans un collège présidentiel qui a 4 membres, Kounya Rivière Erreur li vin président provisoire pour col. Genre Montana te envi fè là et puis Ariel Baba yo passé. Kounya de là étant en 1844, Rivière Erreur prête serment. Rivière Erreur kounya li sous pouvoir. Mais, yon paquet l'autre nèg deye, qui a suivi qui sa Rivière Erreur pral baye comme résultat. Nous sortis nou crise avec Boye, côté que moun te pral la rue pour grand goût, moun te pral la rue pour pas ka manger, moun te pral la rue parce que gen chômage, moun te pral la rue parce que Boye ta favorise inégalité sociale là, li ta favorise division de classe là dedans pays là, li te privilégié mulatio, li te privilégié étranger, commerçant étranger yo que haïtien. Donc, en pile moun doit à travers l'histoire Boye ton président Choul et Boye li te au service de classe de secteur privé de classe commerçant étranger, c'est pas de commerçant haïtien mais plutôt commerçant étranger. Kounya ki sa krive? Yon paquet moun k'ap suiv, est-ce que en si peu de temps Rivière Erreur ka vin bay résultat? Oh oh,
Rivière Erreur pas fait tant sous pouvoir. Rivière Erreur seulement fait 3 mois 29 jours sous pouvoir. Soit dans des là, yo gèt a continue à faire mouvement de Rivière Erreur. Rivière Erreur qui t'est pensé le té bon parce que le té permet, li t'est participer dans voyer bois et aller oh. Rivière Erreur qui t'est pouvoir et puis soit des à Philippe Guerrier monté. Philippe Guerrier li pas fait 1 an sous pouvoir. Philippe Guerrier fait 11 mois quelques jours sous pouvoir, même genre toujours des crises et à l'époque ou gen piqué ou gen kako piqué kap bataille etc. et puis kounye a yo meton le président toujours assemblée constituante toujours assemblée nationale y a regardé qui ça ka fait qui décision ka prend yo vin avec Jean-Louis Pierrot entre temps sorti de Boye ou prend Rivière Erreur ou prend Philippe Guerrier ou prend Pierrot ou prend Jean-Baptiste Richer jusqu'à ce que ou pral rive en 1847 avec Faustin Soulouk. C'est l'ombre à l'vingé, on t'y calme. C'est l'ombre à l'vingé, on t'y pose. Dans tout ça qui vient pour avec crise politique qui t'a passé en dedans pays, dans revendication populaire, etc. De 1843 à 1847, pays n'a pas connu, on tire. Puis c'est crise, c'est violence politique, c'est manifestation populaire, c'est crasé, c'est brisé. Pendant tout le temps ça, alors que tout le monde ça, il te met des têtes ensemble. Yo te fait yon seul pour yo te voye boye aller parce que boye pas de kabay résultat. Mais boye aller ou prend Rivière Erreur, ou prend Philippe Guerrier, ou prend Pierrot, ou prend Jean-Baptiste Richer, yon pa ka fè on merde, yon pa ka pote résultat avec problème peuple. Parce que problème, système de pa ici yon te besoin krasé en 1843, c'est même système nan qui te toujours régénéré parce que secteur commerçant, yo pas de jambes rivé régulariser, yo pas de jambes rivé remettre comme institution. Yo, moun étranger qui t'a fait commerce en Haïti, yo t'es toujours été influent, yo t'es toujours gen contrôle politique. Ça, c'est depuis longtemps. Kounye ya, le Faustin monté, tout moun attend pral gen changement, mais gen yon calme politique. Gon calme politique qui régnait et pas grand rien qui change. T'es toujours gen mouvement, yo douce révolution qu'a fait, jusqu'à ce que nous pral rentrer dans deuxième partie crise, pas y'a aucun changement, pas de jambe, aucun système qui crase de 1843 à 1848, malgré tout mouvement, toute crise, nous ouais qui te gagne. Leçon pour tirer. Jodian là, gros paquet leader sous scène politique haïtien là, notre moderne nous y est là, oui. Yo dou. Yo bon côté peuple, yo dou yo campé à peuple, yo dou c'est yo même qui pi capable, c'est yo même qui gen formule magique là parce que youn pa vle chita avec l'autre. Youn pa vle parler à l'autre. Youn pa vle transcender intérêt personnel yo gagné pour yo dou c'est intérêt peuple là mettre sous table. Pa gen youn qui prêt pour le faire. Pa gen youn qui vle faire dans moment n'a parler à là. Et c'est depuis longtemps le constat dans politique là. Imagine aussi le constat dans politique là et politique n'a vu jodi en là. Politique ils sont héritage. Mauvaise politique n'est pas fait là son héritage lié dans l'histoire pays nous. Vu que nous pas jamais tirer leçon, vu que nèg ça a fait politique, on dirait que yo pas jamais garder qui ça t'est passé dans temps ancien, yo pas jamais garder qui ça t'est passé avec président précédent, yo jodi en là yo pas en mesure pour yo faire différemment. Tout leader politique ça yo garder yo bien suivre comportement yo ou après yo pas en mesure pour yo porter un changement parce que sous campé yo ap garder personnage ou ap assimiler youn la dan yo aboyé ou ap mettre youn comme Richer ou ap mettre youn comme Pierrot ou ap mettre youn comme Jean-Baptiste Richer parce que son paquet nèg kap bataille pour faire politique poche politique qui pas pour changer pays politique qui pas pour changer condition vie moun. Yon l'autre gros crise toujours, qui pral commencer dans l'année 1867, qui pral fini en 1870, 3 ans. Mais crise ça, li gen caractéristique pâle. Qui ça m'vlo comprendre? En Haïti, ou prend la rue pas jamais résoudre problème yo. Mais plutôt prend la rue son signal nouveau et ba autorité pour nous dire bon bagay qui pas marcher bien, et comme li pas marcher bien, nous vle gon solution qui pote avec problème là. C'est ça lié parce que dans toute histoire ça dans première crise en suivent bien moun yo prend la rue pour grand goût yo prend la rue pour chômage yo prend la rue pour inégalité sociale voyez pas tant mesure pour te résoudre ou passer Rivière Erreur li pas ka résoudre rien ou passer Richer passer l'autre pas jamais ka résoudre rien jusqu'à ce pays a pral vinn konn deuxième pi gros crise encore.
Donc prends la ou yon son signal ou voye bay autorité yo pour yon prendre yo. Et comme yon pas vle prendre yo, n'a continue mobiliser, n'a continue prendre la ou yon jusqu'à ce que gen yon solution qui pote avec problème yo. Parce que depuis gen problème, c'est que solution toujours de. En Haïti, on dirait gen plus problème que solution. Gen plus problème, je dis en la, temps moderne, n'a fait politique moderne, mais on dirait que politiciens nous yon pas jamais. Yo pa jam pran en compte besoin population, yo pa jam pran en compte évolution sociale qui gagne, évolution mondiale qui gagne jodi an. Chaque grenaïsien doit ka vivre tant kou moun, nous tout gen droit pour nous gen un minimum la caille nous, nous tout gen droit pour nous gen un minimum pour nous bay petit nous. Parce que jodi an là, tout pays dans tout monde là, m'a dou réalité an. Dans tout pays gen moun pauvre. Dans tout pays gen inégalité. Mais en Haïti, inégalité dans la vie jodi an, misère moun yon vie jodi an la, misère abjecte. Gen misère qui descend, oui. Gen pauvreté qui descend, pauvreté qui descend, le bon douce qui s'allie. Lok a levé ou bay petit ou on paye un café. Ou pas ka bay petit ou zwa manger dimanche, mais au moins ou ka bay petit ou on vie bout pou manger. Jodi an gen moun an de pays an, même bout pou l'alba ou comment l'bra l'achete. Même ou paye un man balba ou comment l'bra l'bra petit li. Même ou paye un café l'pa ou comment l'bra l'fèl. Misère li abject en Haïti, pauvreté en extrême vraiment dans le pays. Pas yon moun qui mérite pour vivre comme ça. Dans le temps moun ta vivre comme ça, yo te prend la rue, yo te mobilisé. Yo te gade qui ça te ka changer pour yo et nous passe président après président à travers histoire pays nous. Système nan toujours qui rete en place, système nan pas jamais bouger vraiment. Système nan seulement changer moun qui dans tête li, li seulement changer, li pas changer maintenant, li changer acteur. Li change acteur interne, mais acteur externe yo toujours dans même place, yo toujours des ficelles là, y a pralé code là, y a tiré sur manette là. Kou ni a deuxième gros crise, li commencé m'dou en 1867. Si n'a pas monté 2 ans sous règne, sous pouvoir Fab Nicolas Geffroy là, ou pral vin wè gros ensemble de reproches que yo t'a fait président Geffroy. Reproche ça yo gen pouwè avec communauté internationale, yo toujours gen pouwè avec étranger, yo toujours gen pouwè avec mulat. On dirait depuis nan temps longtemps haïtien li pa danser collé avec mulat, yo pa danser collé avec moun de couleur yo. Parce que dans l'histoire pays nous yo toujours montre que mulat lan moun de couleur yo son symbole de système esclavagiste, yo rappelé moun yo époque esclavagiste, yo rappelé moun yo relation maître avec esclave. On dirait c'est pour ça haïtien pas trop dans se coller avec mulat. Yo connait qui ça gagne. Yo reproche Geffroy c'est machin de pays, yo reproche Geffroy a fait favoritisme avec blanc, yo reproche Geffroy plus bail et commerçant étranger yo possibilité pour yo faire l'argent et puis la peser coup commerçant haïtien, yo la peser coup classe commerçant ici là haïtien moun noir yo. Et puis kounya ça pral vin créer un mouvement tension. Commencer gen mobilisation, moun commence à manifester, commerçant yo commence à enrager des Geffroy et sortant de là, mouvement commence à fait. Mais Geffroy qui te gon bon grain joué nan kol, Geffroy qui te gen on nèg li te ka compter sou li nan politique là, même jonté ouais à un certain moment, Jovenel te compter sou Youri la Tortue. Le Jovenel te fait monter, Youri la Tortue c'est yon nan nèg qui te avec Jovenel. Li te yon nan nèg ki te kampe kon Jovenel pendant tout campagne Jovenel. Le Jovenel fait monter président mon cher. Te gen des série de nèg jodi an ki nan opposition politique la ki ta bay Jovenel conseil. Et puis bim, tout nèg viré de bay Jovenel. C'est même gens ça lave le loué Geffroy. Commencer à prendre coup, le loué commerçant haïtien yo, le loué ti machin yo commencer lever des Geffroy. A di Geffroy a fait favoritisme, Geffroy a craser économie paysan, ça lave la gepil. Ça n'a pas été monté Gonaïve, li descend la Tibonite là et puis li gen rallié en groupe Mundel. Ça n'a pas été en opposition longtemps. Jour à jour en opposition. Ça n'a pas été opposant politique li campé en face Geffroy. Campé en face Geffroy là, li gen ta fait des mouvements de protestation. Non, non, dans la Tibonite, moun commence à mobiliser, moun commence à manifester, yo di faut que Geffroy aller, Geffroy pas ka bay résultat, Geffroy pas ka fon mèt nan peyi an, faut que Geffroy mari man et paquet li, faut que li bay te, faut que li rache man yok li. Mobilisation. Geffroy li même qui wè, la perte du pouvoir, qui ça Geffroy fait? Et c'est premier président nous supposé toujours songer ça. Si nous ta jwenn tout descendant Geffroy, faut que nous ta chercher pour nous faire reproche.
Après nous fin prendre indépendance, nous prenons premier gros crise en 1843. Et bien en 1867, Geoffroy prend le premier président. Depuis les Dessalines, Christophe Petiot te fin bat étranger, fin bat impérialiste, yo voye yo aller. Geoffroy t'a pral premier moun qui t'a pral fait blanc tourner dans pays, qui t'a pral fait étranger, militaire étranger fouler sol pays. Geoffroy t'a pral mandé l'armée anglaise vin porter le support, vin porter le secours pour le pas perdre du pouvoir. Et puis soldat de là, l'armée débarque dans pays, yo saccager Noa parce que c'est là et Salnav, Sylvain Salnav, t'es al campé avec mon ta bataille avec Geoffroy. Et puis, sorte de là, y'a saccagé nos pays, hein. Et puis, peuple haïtien, tout t'es dans le Salnav. L'on sa yo fait? Y'a profité, pillé, y'a crasé, y'a brisé. Moun y'a pas fait mouvement pour grand goût, oui. Moun y'a pas fait mouvement pour favoritisme, non, oui. Y'a profité, pendant, y'a poté aide, pendant, Angleterre, pour te aide by Salnav, l'armée anglaise, il crase nos pays, et puis sortant de là, même moun yon encore, yon volé, yon crase, pays en la guerre dans déficit. Kounye ya, comme Salnav senti, li gen moun de elle, Salnav senti, li bien stelé, Salnav dit, la prend très porto prince kounye ya, li pral vin créer plus instabilité, li pral vin pran pouvoir. Effectivement, Geoffroy pas de gen l'autre option que démissionner, quitter pouvoir. Et puis sortant de là, ni sa sage, li prend transition pour lui. Quand y a l'heure, ni sa sage prend transition pour lui. Transition commence. Transition pas ka résoudre problème vraiment. Nèg qui nan transition yo pas ka résoudre problème, toujours mettez ça dans tête. On nèg ka toujours dou li vin faire transition, mais transition pas résoudre problème. Transition c'est ta peut-être vin continuer, vin assurer continuité, vin regarder comment yo te ka mettre stabilité en dedans pays, mais au final transition, notre transition pas jamais gen rien qui résout vrai. Kounye a, yo mette transition commencer, transition pour changer système. Jean et Abdullah, Ariel là, yo fin assassiner Jovenel. Jovenel pas là encore. Jovenel te nommé Ariel comme premier ministre. Toujours dans PHTK en version 3. Kounya Abdou, fok système nan changer sous Ariel Henry là. Kounya moun yo commencé faire mobilisation. Yo commencé la gè déguidon là derrière gouvernement transition. Yo commencé la gè déguidon derrière Nissa Sage lui même qui ça le pral faire. Li pral consolider, li pral dou fok constitution changer. Faut constitution sont échangées. Qu'on y a l'heure décidé pour changer constitution, on va le mettre Salnav président. Oh, Salnav parle l'autre bagaille. Salnav premier bagaille, il fait pour le pas perdre du pouvoir, le mettre le président, il consolide le pouvoir. Il change la constitution. Comme constitution était là avant, il te mette pour 4 ans, et bien Salnav dit moi-même président en vie. Salnav déclaré le président en vie. Qu'on y a comme conséquence, pays a bras le chaud. Comme conséquence, pral gen violence, comme conséquence, pa gen moun ki pral accepter l'anmèl. Et c'est de là étant, ou pral commencer vin jwenn guerre civile. Ou pral commencer jwenn guerre civile, moun violence pral commencer fait en dedans pays. Et puis, comme conséquence économique, ou pral jwenn pays qui endetté, ou pral jwenn pays côté que, avec toute guerre civile qui te gen là, avec tout problème qui te gen, toute stabilité qui te gen là, kounye a économie pays pa ka répondre avec besoin population. C'est vrai, Salnav pral vin imprimer un paquet l'argent. L'argent ça pas ka utile en merde. Ou pral vin joine. Ou pral vin joine l'argent pays pas ka utile en rien. Et c'est là ça pral vin parler de oreilles bourriques, etc. Ou pral besoin près de 1000 gouttes. Gen historien qui dou 1000 gouttes, gen qui dou jusqu'à 2000 gouttes pour bon dollar américain. Koun ya le Salnav wè tout bon. Nous nou situation de crise économique. Pas grand rien qui ka fait. Pas grand rien. S'il pas dégager le fond bagay pressé, le pas bon pour lui. Salnav dit bon, et nous dans la guerre civile là, tout produit monté, li dit le pral chita avec secteur privé. Ça n'est les classes économiques dans le temps. Yo te en pile, oui. Yo te en pile. Français là dedans, allemand là dedans, anglais là dedans. Est-ce que tu es un américain? Bon, américain là dedans. Kounye a, qui ça privé? Comme ben y a te en guerre, gen guerre civile, etc. Tout prix produit, tout bagay monté. Kounye a Salnav ki wè. Pour moun yo pa fin déchaîner pire dans kol, li dit le pral chita avec et secteur des affaires là, secteur privé, commerçant yo. Kounye a c'est commerçant yo qui gen monopole, c'est commerçant yo qui a vend, qui a fait, qui a défaire de dans pays, faut que chita avec yo pour yo baisser prix produit yo. Salnav parle avec moun yo, c'est comme si c'est ader yo Salnav te parle. Yo pa wè, yo pa tande. Qui pas différent de tout parler de tout Jovenel te qu'on a fait, on a tout parlé, Jovenel te qu'on a fait, l'abdou, l'abdé dans Sénégal.
l'abdou et nan sa ki gen pou avec télécommunication pour 5G a nèg yo décidé a font paquet l'argent question gaz nèg yo font paquet l'argent t'a dit nèg yo font poser rien pas jamais fait là même gens nèg yo dit yo pa tande sa lave koun a lè yo dit yo pa tande sa lave sa lave pa di rien et sa lave ki président si jovenel te font ti bay comme ça peut-être il était ka bon hein? Ça n'a pas décidé, il n'y a pas de problème, nous n'avons pas attendu, nous n'avons pas décidé de baisser le prix pour Dieu. Ça n'a pas allé faire un magasin de l'État. L'État commence à faire business, à faire commerce. L'État vend produit dans le magasin de l'État, où vient tout le produit pour mes nécessités. L'État vient tourner concurrent secteur privé. Il vient tourner concurrent commerçant. Commerçant, vous sentez, vous commencez à piéger. Pourquoi ça vous fait? Il n'y a pas différent de ce temps de jour d'y là. Nous tendons à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a deux comme ça, et Biden deux, même bagaille. Trudeau deux, même bagaille. Qui s'allie, il y a deux gagnants politiciens haïtiens, gagnants secteur économique, ça n'est le secteur privé. C'est eux-mêmes qui financent la violence, c'est eux-mêmes qui financent l'instabilité en Haïti. Eh bien, c'est même bagaille en 1867. Nexar, là, il a décidé de baisser le prix produit, ça n'a pas ouvert le magasin de l'État. Yo mette tête ensemble. Yo pour paquet l'argent yo te gagné, yo bail groupe nèg qui était en face sal navio, yo bail Misa Sage l'argent, yo bail Michel Domeg l'argent pour mettre l'huile sous du feu guerre civile pour créer plus violence, pour créer plus instabilité, pour créer plus conflit en dedans pays. C'est exactement ça yo te fait. Ça n'a pas perdu temps, ça n'a pas perdu pouvoir, ça n'a pas couru. Le sal n'a pas bagarre la chaud dans d'elle. Nèg yo débarqué Michel et Michel Domingue avec Misa Sage débarqué dans capitale pays yo yo explosé et parler national là ça l'a courir la gueule li aller en sapit li la gueule en République Dominicaine sans perdre du temps dominicain yo pral joindre Zalnav yo tourner à Zalnav dedans pays et puis nèg za yo pral prendre Zalnav yo pral mettre le camper sous une balai national là yo pral exécuter Zalnav grand la journée. Ça c'est une président nous te gagne dedans pays qui te mouri assassiné. Comprenez bien, dans toute histoire pays là, où est ces deux groupes qui en face? Où est ces deux groupes? Où est secteur politique, la classe politique, politicien? Où est secteur privé, commerçant? Commerçant, en pile là-dedans, c'est commerçant étranger. Moi, je n'ai aucun problème avec les cafés business dans le pays. Je n'ai aucun problème avec les mulats dans le pays. Je n'ai seulement un problème avec l'État failli, l'État dérangé, l'État qui n'a pas tout là-dedans comme autorité, comme dirigeant, qui préfère quitter le peuple dans le pays, prendre coup tout de bon côté, qui prend coup à droite dans mes politiciens, qui prend coup à gauche dans mes secteurs privés. Nous, le peuple qui n'a mis pas encaissé, n'a prend coup tout de bon. N'a prend coup tout de côté yo, nous pas un moun dans l'état qui ka camper pour défendre intérêt nous. C'est depuis longtemps comme ça. C'est depuis longtemps pas un président qui camper en face nèg yo. Li pas ka camper ni en face classe politique ni en face secteur privé parce que s'il camper en face secteur privé après faire coalition avec opposition politique là. C'est comme ça Zalnav mouri. Donc yo fin assassiner Zalnav, yo fin touye Zalnav parce que Zalnav te choisi monter, il te choisi camper en guerre face avec bourgeoisie, il te choisi prendre contrôle café, il te choisi mettre taxes sur activité commerciale secteur privé à ta fait, il te choisi augmenter prix quelques produits pour nexa yo, mettre taxes sur et puis baisser taxes pour classe commerçant haïtienne non, et puis mais ça touye Zalnav. Qui est-ce qui touye Zalnav? Non seulement étranger qui fait alliance avec classe politique, mais c'est classe politique là. C'est si nèg tête grain même genre avec Zalnav qui touye Zalnav. Jodi a l'on pral di c'est mercenaire colombien qui touye Jovenel. Qui est-ce qui touye Jovenel d'après ou même? Qui est-ce qui touye Jovenel? Li te met complot mettre communauté internationale là là. Li te met gen mandan la, li mandan X mandan Z là dedans. Bon dou vérité, vérité c'est haïtien avant tout touye Jovenel. Politicien qui était dans opposition touye Jovenel avant toute chose. C'est eux-mêmes, parce que idée à décision, c'est eux-mêmes. Si on t'a fait bataille pour peuple vraiment nous comprendre, je dis à une vérité à notre deux plamons, ou pas de bon classe politique qui t'a fait bataille pour peuple, ou de bon classe politique, ou de bon groupe nègre.
qui te ou intérêt ou menacé, qui tap cherche en façon pour consolider pouvoir. Et je dis avec Ariel Henry là, tout nèg consolide pouvoir, tout nèg consolide pouvoir. Si après, yo fin assassiné Salnav, nèg yo te commencé ou tap al gen espoir, parce que tap vin gen classe politique, tap vin gen des partis politiques qui constituent en dedans pays, ou tap al vin jouen pour la première fois, gen deux partis politiques qui créent, Parti National, Parti Libéral, sans perdre du temps. Parti politique ça yo vin craser pour qui ça parce que yo n'a mette chaise sous l'autre c'est ou craser pour les pays c'est ou craser pays c'est ou te voyer mon al fait c'est ou te voyer mon al fait Jean ouais jodi a division dedans SDP Jean ouais Majorie Michel Lionel Kassi chaque moun fait out payo André Michel fait out payo c'est comme ça dans le temps faut qu'on connait histoire faut qu'on chita. J'aime mon pays, j'aime Haïti, bon paquet de l'histoire. Faut que nous retournions dans l'histoire pour nous comprendre réellement qui ça a fait aujourd'hui. Et c'est à partir de l'histoire, nous de ça qui fait déjà pour aller. Est-ce que on porte de sortie? Est-ce que on issue aujourd'hui là pour nous venir comprendre effectivement est-ce que Haïti a des possibilités pour une stabilité là-dedans? Quand il y a toute bagarre ça vient fait, ça l'a vient mourir, nèg yo vient prendre pouvoir et diriger. Quand il y a on prend le bon petit la paix, prend le bon petit la paix et puis dans fin année 40 et dans fin année 1800 on prend le bon petit la paix et puis quand il y a le on prend rentrer dans année 1900 qui prend marquer troisième gros crise systémique dedans pays dans moment pour t'al fêter centième anniversaire premier centième anniversaire indépendance nous bam pays chaud guerre civile encore pour pire et guerre civile ça dans année 1902 gros l'autre guerre civile qui prend éclater et guerre civile ça élément déclencheur guerre civile là li pas l'autre bagaille toujours même stabilité toujours même insécurité, toujours même violence, toujours même conflit politique, nèg qui besoin pour pouvoir, secteur privé qui te rien moun yo te besoin mettez. Parce que à l'époque, on va parler de 1902, 1902 te gagné ou te gagné Nora Alexis qui te gagné fait et 6 ans sous pouvoir parce que 1902, 1908, il fait exactement 6 ans et crise il commence en 1908, il finit en 1915. Donc c'est en prélude avec Reine Nora Alexis, tout bagaille ça déclencheur de dans pays parce que Nora Alexis lui-même, il était un groupe commercial t'a favorisé. Et c'est à l'époque, c'est sous nous Alexis, nous t'apprenons comment c'est prendre gros frappe dans mes américains. Parce que avant tout, t'es gagné allemand, depuis sous Salnav, depuis sous Jeffrey, passé sous Salnav, c'est allemand qui était censé priorité dans ça qui vient pour avoir commerçant de dans le pays. Kounya, le nom Alexis monte, et tout bagaille ça, c'est pour États-Unis qui a vint ba nous occupation. En 1915, m'bralou. États-Unis commence à faire influence li jouer pour le mettre allemand dehors, pour le mettre français dehors, pour le mettre anglais dehors pour le contrôler commerçant. Effectivement, avec nous Alexis Rivé, États-Unis commence à implanter un paquet d'entreprises minières en Haïti. M'saisi, l'homme d'endé, dans le temps, qu'on y a fait ouais bagaille a fait en batable dans le temps États-Unis te gagne entreprise minière il te vinn installer là en dedans pays yo a exploité fer y a exploité cuivre en dedans pays yo a exploité un paquet l'autre ressources naturelles nous gagne en dedans pays yo pas jamais yo pas qui ça ba nous en retour pour lui yo paye pour ça yo pas payé pour ça sous prétexte que y a fait commerce sous prétexte y a vinn mettre chemin de fer y a vinn mettre McDonald's y a vinn faire ceci y a vinn faire cela en dedans pays yo vinn mettre mine yo vinn mettre mine yo vinn mettre entreprise minière yo dans la Tibonite yo mettre dans Saint-Michel de la Talaye yo mettre dans vallée de l'Asile côté que t'a exploité l'or nous yo prend tout ça nous te gagné tout ça t'es besoin dans le temps et puis yo vinn créer plus de stabilité et puis yo dou comme ça. Comme Haïti toujours en guerre civile, comme nos intervalles de 8 ans, nous pas capable yon président, nous pas capable deux présidents, c'est tipascout, c'est 3 mois président à faire, c'est 10 mois président à faire, c'est 8 mois président à faire, eh bien, comme te vin gen certaine instabilité, te vin gen dégradation, te vin gen exactement ça nan vu jodi an la, yo te fin tout yon président. Non, non, année 40, non, année 1800, yo. Assassiné président. Nous vîn commencer dans début année 1900, yo. Nous commencer à regarder est-ce que nous ka lever tête, nous sorti, et puis boum, sortant de ya,
vin gon l'autre guerre civile mette pied, yo vin nou définitivement haïtien pa ka gérer ça qui gen pour avec stabilité, li pa ka gérer ça qui gen pour avec question politique dedans pays. Et c'est yo même pendant tout temps ça, pendant nous prend première crise 1843, nous prend deuxième crise 1867, nous prend troisième crise là en 1908 qui précédait avec guerre civile 1902. États-Unis dit mon cher, bon regardez comment bagaille la ka fait. Bon regardez parce que comme nèg yo c'est tipage coup ka fait et puis finalement guerre civile là vient tellement exagéré et puis nous pral déboucher avec assassinat Vilbon Guillaume Sam et puis kounia ça pral servir prétexte pour blanc fouler sol là. Yo pas de passer ni par Nations Unies, yo pas de passer ni par OEA, yo pas de passer, yo pas de faire toute route qui a fait tant qu'aujourd'hui là, yo décidé yo prend ça comme prétexte, trois présidents assassinés en si peu de temps dans pays là, faut que yo foule sol là effectivement. Yo foule sol là en 1915, yo vinn ba nou occupation militaire 28 juillet. On a comme nous sous occupation, nous pensons pral gen stabilité, nous pensons pral gen administration publique là, l'état pral réformer et pourtant c'est occupation américaine ça qui pral effondrer l'état noir. Gen moun gen historien pour m'te gen chance étudier occupation américaine sous Suzy Castor, un historien qui fait bon travail. Mais ou bien senti gen quelques historiens, quelques auteurs, yo plus censé à faire promotion pour montrer mais qui bon côté occupation américaine nan te gagné. Et puis y a cachot qui quantité dérive, qui quantité vol, qui quantité perte, qui quantité déficit nous fait sous occupation américaine là. Occupation américaine, c'est comme si américain te vle vin rétabli un système esclavagiste encore. Y a fo yo la bon encore, yo la gen paysan yo nan corvé. Yo la gen paysan yo nan corvé. C'est bâton mon apprend ou pas gagner contrôle économie pour qui ça parce que économie qui est cap gérer c'est américain cap gérer c'est eux même qui gagne contrôle économie c'est vrai bon paquet réforme qui t'est fait mais jodi en réforme ça a fait jusqu'à ce que gagne tout article New York Times a qui t'est écrit pour qui quantité déficit l'état haïtien fait sous occupation américaine. Non, en vérité, yo ta dou américain vin la déchepiller nous. Yo ta dou américain français, c'est l'argent indépendance qui fait tout effet. Yo ta dou gon paquet au paquet l'autre statue paquet l'autre page dans histoire américaine nan. C'est l'argent taxe nous, c'est l'argent impôt nous. C'est contribution peuple haïtien, c'est lui même yo prend yo voler au poté aller. On pas dit c'est menti. Effectivement, je dis en là États-Unis ouais qui campé derrière nous là. États-Unis nous tendez ami d'Haïti, ami sans condition. Non. Nous vivons toute crise systémique ça dans histoire pays nous parce que t'es gon paquet étranger qui t'es là. Ambassade yo t'es là derrière yo, consulat yo t'es là derrière yo, yo t'a alimenté violence, yo t'a alimenté insécurité en dedans pays, c'est exactement ça lié. Et ou pour un premier crise, ou pour un deuxième crise, ou pour une crise 1915 ça, qui crée toute instabilité, toute violence ça, qui passe, qui fait petit passe-coup avec président, au paquet de président passé. Ou pour aller dans l'occupation américaine, non? Eh bien, bral dou ça qui pi grave. Dernière crise systémique, je dis, nous passons dans l'histoire pays, nous, c'est 2004. Nous passons 94 jusqu'en 2004. Ou prend toute instabilité ça yo qui te gagne sous Aristide. Ou prend toute transition ça yo qui te gagne après Aristide. Ou bien tout bonne situation côté que de 94 à 2004, ou bien dit dans tête toute crise sa dernière crise en date qui marque emprise américaine, qui marque emprise communauté internationale là, c'est une crise qui pral vinn justifier, c'est une crise qui pral vinn corroborer ensemble des formations que on paquet historien haïtien partagé comme quoi c'est États-Unis qui derrière tout ça n'a vivre depuis après indépendance non depuis les États-Unis commencent à contrôler les Caraïbes blancs les contrôler Amérique du Sud li contrôler Amérique centrale là. Donc nous commençons à vivre dans une situation d'emprise. Nous commençons à vivre dans une situation côté que c'est blanc qui a dirigé, c'est blanc qui a pris décision. Et effectivement 94 rivé 2004, ou vinn ouais, yo vinn prendre Aristide en première fois avec lui.
Yo pote Aristide Doune Barou en 94, yo décide écraser l'armée ou pa gen l'armée. En 2004, en 2001 Aristide élu, en 2004 yo décide yo vinn boté Aristide avec lui encore, qu'on y a posé tête aux questions. Posez tête aux questions, Blanc fait deux expériences avec Aristide. Donc je dis hein, le napton de Yodou Blanc a rencontré avec Aristide, comme quoi Aristide Davin, Lavalas Tavini, Yotavin imposé nous en l'autre version de Lavalas, en l'autre version de Aristide, comme gouvernement de salut public. Jamais. Jamais, parce que dans l'histoire pays nous, Blanc n'a pas gagné une bonne relation avec Aristide. Yo pas qu'à à l'avant première fois retourner avec vous, yo à l'avant deuxième fois retourner avec vous, pour jodi en troisième fois pour yo ta vinn retourner avec vous encore, comprenant que ou pral faire exactement ça yo di ou jamais. Donc jodi en ça n'a vivant dedans pays depuis après assassinat Jovenel Moïse. Nous ka considérer comme cinquième crise systémique, à la fois systémique et endémique, parce que l'on suivre qui quantité crise, qui quantité problème qui traverse l'histoire pays, qui toujours les mêmes caractéristiques. Donc, c'est des caractéristiques qui sont endémiques. C'est des faits qui sont endémiques. Problème gango, problème chômage, problème pas qu'à manger. Problème la richesse, problème insécurité, inégalité sociale, division basée sous couleur peau, sous couleur race, sous qui quantité l'argent gagné. Et je dis là, ou vin face avec un pouvoir, ou vin face avec un gouvernement là, qui moutre effectivement, yo pap travail dans l'intérêt peuple. Jean Bois était fait, l'on te moutre effectivement, c'était tchoul, un petit groupe nèg qui t'a fait. C'était tchoul, un petit groupe oligarque qui t'a fait. Je dis là, ou passe président sous président, ou passe pouvoir sous pouvoir depuis après, puis après Préval fin fait mandat, nous tout honnêtement c'est Préval nous passer comme politicien qui puis stratège dans paysage. Préval fait tout mandat malgré l'instabilité, gain grand goût, gain violence. Préval fait tout mandat. Est-ce que Préval c'est bien, il était bien dit là avec Blanc comme ça? Est-ce que Jovenel nèg yo rivé assassiner le pas bien dit avec Blanc? Parce que vérité c'est qui ça rien je dis vérité en nous face avec un système, système n'a pas jamais coupé vrai, système n'a pas jamais crasé. Depuis le nous premier crise en 1843, pas de aucun système yo t'écrasé, pas de aucun système yo t'est fini avec lui. Système non pour autant, li changer acteur, système non continue à régénérer. Système non continue à prendre force, système non continue à prendre jarret, système non continue à imposer. Les jodi an là, m'a dou. Le nous dit n'a fini avec système, n'a combattre système non, nous toujours gè tendance à mettre dans vision nous seulement et classe au libanaisien comme si eux même qui fait commerce en Haïti, c'est eux même qui oligarque là. Jodi an gè gros commerce en français, rien dedans pays. Gè gros commerce allemand, rien dedans pays. Gè gros commerce anglais, rien dedans pays. Comme si là nous entendons des régional boulos, nous toujours dou, les n'a prend Accra yo, n'a prend l'autre nous dou c'est sirop libanais, c'est sirop libanais. Non! Gros paquet, là on parle de andalio, on parle de paquet l'autre. Bon, de vérité c'est qui s'allie. Jodi an là ou gros marché commercial en Haïti qui divisé par les grands. Grand ça c'est qui est chaud, ou gen des Français, ou gen des Allemands, ou gen des Syriens là dans vraiment. Mais Syriens aujourd'hui, est-ce que c'est eux même qui véritable problème non qui fait avant nous parler c'est Syro Libanais. Le n'a parlé de oligarchie, on n'a parlé de oligarchie corrompue, oligarque corrompue, yo en pile. Et je dis encore paquet de l'autre nègre, m'a regardé chambre commerce industrie, ça qui n'a pas de pression, yo décidé de conseiller que yo mette note dehors, yo dou après décision réel propre pour monter gazan, ok, yo d'accord décision. Yo dou tout, dans dernier jour ça, yo ouais communauté internationale, langue différent et dignitaires étrangers, tant que Macron, Trudeau, Biden qui dit que ça qui a passé en Haïti, hein, li gen men secteur privé à la dan, li gen men classe politique à la dan, et rapidement, yo mandé avec Ariel pour Ariel rive identifier moun sa yo pour sanctionner parce que yo senti secteur privé a menacé, effectivement yo menacé. Yo menace parce que moi m'a regardé vidéo moun yo dans la rue yo dou Ariel paye shopping pour yo déjà. Yo dou Ariel paye shopping pour yo déjà, yo gen droit pour yo rentrer dans n'importe business, dans n'importe magasin, dans n'importe salle de pour yo faire shopping. Jodi a m'a dou dans le temps, nous prenons la rue, nous craser, nous briser pour nous changer un système, pour nous finir avec un système. Depuis 1843 jusqu'à jodi un système n'a pas jamais crasé. Système n'a pas jamais fini. Système n'a toujours à régénérer, système n'a toujours à reproduire. Et nous-mêmes, comme moun qui pas jamais tire leçon de l'histoire, nous, qui pas qu'on histoire, nous, qui ça nous fait?
Qui ça nous fait? N'a pas une exaio gabel, n'a pas un mettre système yo gabel, n'a pas un monde qui protège système yo gabel. Bon, me dis nous. Nous connaissons des gens qui pral di, et ça me pral di à la, c'est cracher, m'a cracher sous travail, peuple, sous effort, peuple. Bon, d'où qui vérité gagne. Jodi an la, pays lock. Nous faisons mouvement pays lock, pays bloqué. En haut pas monté, et en haut pas descendre, en bas pas monté. En rien pas fonctionné. Gede série de malheureux malheureuses qui ont fiche transfert dans main, depuis des semaines, yon pas j'aime kapre transfert, yon pas ka manger. Vérité, c'est qui ça lié. Moun qui pas ka manger, ap pi pas ka manger. Moun qui te ka manger, ap toujours ka manger. Gye moun qui doit faire mouvement, yon kapé des barricades. Pour yon di non à clavier, pour yon di non à mauvaise gouvernance, pour yon di non à système. Mais mes amis, comment vous pouvez dire moi di non à un système pendant qu'on campe des barricades ou à gros âmes, ou à prendre son éti malheureux et malheureux pareil? Ou à prendre son éti de série de malheureux qui montent sous tête au camion chou, sous tête au camion zorensi, sous tête au camion carotte, sous tête au camion milito, ou à prendre son île pour retirer barricade pour le passer, faut le payer 75 000 goud, faut le payer 50 000 goud. Système n'a pas crasé là. Système n'a pas crasé. Ou bien c'est profiter, n'a profiter de système là. Ou bien c'est profiter, ou bien nous pas de différence de mémoriel, ça n'a pas dénoncé. Je dis en vérité, c'est qui s'allie. Nous comptons tout le monde qui met système dans caché. Nous comptons tout le patron système dans caché. Nous comptons tout le monde qui fait tout le système dans côté caché, côté arrêté. Nous pral barrer, nous pral barrer la caillou. Nous pral mettre barricade, nous pral mettre barricade la caillou. Parce que jodi an la, effectivement, nous te comprenons ce mouvement peuple qui t'a fait. Nous te comprenons pays lok lan, c'est un souci pour te déraciner, déboulonner un groupe moun ni t'a fait. Mais bon, pas que ti vagabond qui profite là pour faire beurre, pour faire l'argent. Parce que camper des barricades, ou pas qu'à camper des barricades pour l'argent. Ou pas qu'à camper des barricades pour faire l'argent. Ou pas qu'à camper des barricades parce que politicien pas sur l'ordre. Politicien qui passe l'autre, là, lui-même, il y a intérêt, qui intérêt pas? Qui intérêt pas? Je dis, on veut comprendre. Depuis 1843, n'a pas mis barricade, n'a pas crasé, brisé, n'a pas boulé, caoutchouc, n'a pas détruit, n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, qui pas jamais poté fui, parce que nous pas jamais touché problème dans côté lié, véritablement. Nous pas jamais déraciné problème dans côté lié, véritablement. Je dis, problème dans ce qui s'allie. Ou toujours jouer un groupe politicien qui fait alliance avec un groupe. Dans le secteur privé, qui gagne la communauté internationale, qui gagne l'ambassade chaque monde, sa yo, chaque pays, sa yo, et puis qui a tout le peuple, qui a tout pisi peuple. C'est ça qui est problème, non. C'est véritable monde qui est problème, non. C'est pas si malheureux, malheureux, qui a tranché, et puis barricade, mette, mais hôtel, pas qu'à passer, et puis non, route, ni pas même qu'à pousser petit là, mourir. C'est pas monde sa yo qui besoin de faire jalise, qui pas qu'à faire jalise, même là, mon explique qu'on a qui situation lié, li pas qu'à aller, li pas qu'à arriver, et puis deux, trois jours après le mourir. Jodi an là, ou gen G9 qui a fait gros menace sous vaoua. Qu'a fait gros menace là, Getty Junior qui a fait un voix circuler qui dou, si la police, comme yon te dit, c'est l'argent yon te prenne en mériel pour casser mouvement peuple, pour gâter mouvement peuple, comme yon pas prenne l'argent en mériel, yon décide à montrer, yon pas prenne l'argent, yon campé des barricades par yon, avec gros amis yon en mériel, et si la police ta vine sou yon, ta vine fait tentative pour repousser yon, pour yon prenne terminal vaoua, yon y a explosé terminal vaoua. Son alimet qui réserve pour terminal vaoua, son green ball qui réserve pour terminal vaoua. Jodi on parle de gasoline qui stocke, on parle d'un produit transversal. On parle de ça qui font pays fonctionner, on parle de ça qui a sauvé la vie moun, on parle de ça qui a relancé l'économie, qui a géré l'activité en dedans pays. Donc est-ce que tête moun ça ou bien? Est-ce que c'est terminal vaoua qui problème non? Ou bien Ariel avec décision là qui problème non? Ou bien un groupe oligarque corrompu en dedans pays qui problème non? En vérité, à un certain moment, faut nous elle n'a crasé un pays, le n'a détruit un pays qui est véritablement qui paye pour casser. Je dis c'est pas ni Ariel. C'est pas ni oligarque là, c'est pas ni système là qui paye pour casser. Pour casser c'est ti malheureux malheureux pareil ou même genre avec nous, c'est yo qui paye pour casser. Donc si nous faisons un mouvement pour changer le pays, pour casser le système, nous connaissons le système, nous connaissons qui est capable d'alimenter le système. Et avant d'aller, faut que nous presque arrivés dans le 3 octobre pour l'école ouverte. Et en vérité, j'en moi là où yon est là, j'en moi mouvement yon est là, nous pas connaître si effectivement l'école a ouvert ou si l'école va ouvert. Mais faut que nous bon côté pam, et c'est ça, c'est prêt. Jusqu'à date là, moi gagné 101 valises, 101 bag qui disponible pour 101 timon.
valise disponible, livre disponible, même là tout livre pour confine disponible parce que ouais situation paysan pas vraiment ka gen sorti, pas vraiment ka gen et à gérer bagay sa yo. Mais le peu que nous ka faire, n'am gérer valise disponible, livre disponible, cahier disponible, plume disponible, crayon disponible. Donc objectif là c'était arriver supporter 150 timon. Donc il y a 101, gagné 49 qui poko, gagné de quoi pour yo même pour rentrer l'école. Donc ou même qui t'a vle toujours supporter initiative là, toujours supporter projet à pour atteindre objectif là qui c'est 150 timon, ou ka toujours faire ça en pendant semaine là, au cours de semaine ça en attendant que pour nous est-ce que pays a gagné de l'autre. Moi même projet pas m'na, faut qu'il réalise projet pas nous, faut qu'il réaliser et objectif là faut qu'il arrive à atteindre parce que n'importe je ça l'école te mettre approuvé 3 là la paré m'a paré pour yo la pouvait 3 et 3 novembre m'a paré pour yo la pouvait 3 décembre m'a paré la pouvait 3 janvier la paré parce que c'est un engagement m'te prend vis-à-vis de ti moun sa yo, c'est un engagement m'te prend vis-à-vis de ou même qui te bay contribution, qui te bay support. Donc n'importe gens ça y n'a honoré engagement. C'est un plaisir pour m'te avec aujourd'hui pour m'te porter émission pour vous. Merci à vous même qui te bam tout temps, qui te bam toute énergie pour te garder travail là et n'a continuer travail là, li pap camper dans objectif pour kembe ou informé. M'a rappelé encore un peuple qui blie histoire condamné pour reproduire même erreur. On nous apprendre de histoire nous, on nous partager vidéo. On nous partage l'information pour plus de monde qui est au courant. C'est un plaisir pour m'être avec vous. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick, la même voix. Rien n'a pas changé. Rendez-vous à casser 7h boule avec Foucault. Merci. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les nazis, mon éditorial, c'est tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel parle là pour bien informer avec Yannick.